Bonjour tout le monde, bienvenue. Voilà, je vous présente une nouvelle vidéo glitch du braquage Bob Gun. Donc vous allez pouvoir le faire en illimité, il est super facile. Je suis obligé de vous le présenter. Donc là, on va être deux pour faire ce braquage. On le mettra en mode difficile. Et mon ami, donc c'est lui qui va gagner l'argent, il gagnera 1 900 000 en 15-16 minutes. Allez, peut-être 18 minutes, mais bon. C'est pas le problème, c'est qu'il est très très facile. Donc tout le monde pourra le réussir. Le but c'est d'être deux joueurs. Et deux joueurs qui ont les préparations qui sont finies. Comme ça vous lancerez un coup chacun. Voilà les potos. Donc vous allez à votre complexe. C'est le braquage, c'est l'acte 2. Donc il vous faudra faire le braquage acte 1. Et les préparations de l'acte 2. Une fois que vous serez là, à ce braquage, je vais vous montrer le chemin dans le sous-marin. Mon ami, il n'aura pas grand chose à faire. Parce qu'il aura juste l'Avenger à faire un vol stationnaire et péter les hélicos. D'accord? Donc je voulais pas montrer ça, mais vous arriverez facilement à le faire. Le tout, c'est de ne pas abîmer l'Avenger. Plus de la moitié. Donc, qu'il s'entraîne bien. Et c'est facile. Donc moi, après, je vais le rejoindre dans l'Avenger. Et on va aller se reposer à l'aéroport. Donc n'oubliez pas, vous le mettez en mode difficile. Invitez votre ami et go. Donc après, si vous voulez faire le défi élite, vous avez qu'à acheter le complexe de tout en haut le moins cher. Comme ça vous serez déjà sur place et ça vous fait gagner du temps tout simplement. Allez, encore merci à Kiki qui m'a aidé pour les préparations, qui m'a aidé pour le braquage. Merci à Papy aussi, les poteaux, et merci à Kevin by Apple l'astuce, donc que je connaissais pas parce que j'avais pas fait ces braquages encore. Vous aurez aussi dans ma chaîne le braquage de la Pacific Standard si vous voulez faire à 4 et faire gagner de l'argent à 2. Donc voilà, moi je relance, je vais me mettre 15%, c'est obligatoire parce qu'on peut mettre que 85% à mon ami. Voilà, donc vous pouvez le faire à 4, mais à 2 ça vous rapportera beaucoup plus. Vous pouvez le faire à 3 aussi. Donc à mon ami, je vais lui mettre 85% le maximum. Et c'est là qu'il gagnera 1 900 000. Lui, je le mets en soutien aérien. Et moi, je vais aller dans le sous-marin pour vous montrer le chemin. Donc, respectez le chemin et vous allez le faire en 5 minutes. Le défi élite, il est vraiment possible, les gars. Il suffit d'avoir le complexe pas trop loin. Allez, on est go. Donc je vais vous montrer aussi le chemin par rapport à la voie ferrée où vous gagnerez du temps pour traverser la map. Donc moi je suis aux éoliennes, je suis pas à côté. On l'a fait en 18 minutes. Et pour vous dire, c'est la première fois que je fais le braquage. Voilà. Donc je vous le referai en live aussi. Profitez-en les gars, 1 million, c'est... En activité en plus, c'est pas besoin de glitch, rien. Profitez-en. Donc, vous voyez là, je suis level 20 moi, j'ai réussi à le faire de suite. Et pas besoin de faire le 1, 2, 3, 4 de tous les braquages. Là, genre, dans la journée, vous le relancez au moins 2-3 fois. Bon, les préparations, elles sont un peu chaudes. Il y a deux préparations qui sont assez difficiles. Vous allez mourir souvent parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de les mettre en mode difficile. Vous le mettez en mode normal et au moins ça vous permettra de faire vite les préparations. Et vous mettrez que le braquage en mode difficile. Les potos, abonnez-vous, un petit like, ça fait du bien. Donc là, on va traverser la map. Et je vais vous montrer, vous voyez là, on va prendre la voie ferrée au niveau de l'aérodrome. On va prendre la voie ferrée et ça va nous amener complètement tout en haut. On va récupérer lui l'Avenger et moi la voiture qui va sous l'eau. Il est vraiment facile, un truc de fou. Une fois que vous avez la méthode,
C'est trop facile, vous avez 10 mecs à tuer et c'est fini. Donc vous voyez, si vous aurez eu le complexe tout en haut, ça aurait été vite réglé le chemin. Je vous le referai en défi élite. Mais n'attendez pas, les gars. Passez voir sur la chaîne les glitches. J'ai une playlist remplie de braquages. Donc c'est Pacific Standard. Il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez le faire en moto. Vous pouvez le faire avec la voiture de police. Vous pouvez le faire avec les hélicos et la voiture de PNJ. Il y a plein de solutions pour le faire. Donc si vous voulez faire le défi Elite, il vous faudra la vidéo où je mets l'hélicoptère à côté de la banque. Donc ça veut dire que quand vous êtes en train de braquer, un des contrôleurs de foule, il va chercher l'hélicoptère et il le met devant la banque avant de finir de prendre l'argent. Et là, vous allez gagner un temps fou et vous aurez votre défi élite. Il vous suffira de prendre les points dans la rue qui sont assez difficiles. Après, ça va tout seul. Vous pèterez les motos et c'est bon. Mais bon, ça pourra vous rapporter que 850 000 si vous donnez tout à un joueur. Donc en gros, on est quasiment obligé de partager aussi à deux. Donc on peut mettre que 70% sur le Pacific Standard. Celui-là vous rapportera plus. Et plus facile à faire. Si vous avez envie d'aider des collègues et tout, préparez votre braquage. Dès que vous avez un collègue un peu en rade de dollars, hop, vous lui faites une petite relance. Et après vous quitterez. Donc je vais vous montrer comment quitter, être sûr de ne pas perdre le braquage. Voilà les poteaux, vous voyez là, on passe comme la Pacific Standard. Passer sous le pont, continuer après la Syrie et hop, on est arrivé. Ce chemin il est vraiment efficace. Les poteaux, j'espère que vous allez partager la vidéo, faire connaître ça à tout le monde. Pour ceux qui font les rageux, que soi-disant on va le cacher, si vous le savez, c'est comme vous l'a dit. Voilà. Ça sert à rien de faire les gens. Voilà, il faut pas partager. Si on partage pas, personne n'est là rien. Arrêtez de faire les mecs qui ont inventé les glitches. Hein. Allez, les poteaux. Donc là on va arriver à l'Avenger. Voilà, mon collègue il va prendre l'Avenger, il va aller au point jaune. Il va faire pavé tactile, il va faire un vol stationnaire au point jaune. Et lui il aura plein d'hélicos à détruire. Très facile à faire. Et moi pareil, ça va pas être aussi, pas être plus dur. Donc je vais aller au point jaune. Je vais mettre la voiture en sous-marin. Pas longtemps après j'aurai la cinématique et je rentrerai dans le sous-marin. Les poteaux, j'ai un crew à JH, vous l'aurez dans la description. Rejoignez nous les gars, on est 170 quasiment et j'aimerais qu'on soit beaucoup plus. Pas de raison. Donc on a une fumée patriotique couleur noire. Couleur noire spéciale très foncée, mieux que le mat. Et si vous avez des idées avec des codes couleurs, on pourra le mettre, pas de problème. On va faire évoluer le coup un peu. Donc là, restez vers le haut là. N'allez pas dans le fond de l'eau, vous allez perdre du temps. Donc là, si vous flottez comme ça à ras de l'eau, vous allez gagner du temps. Allez, dirigez-vous au point jaune. Donc, vous pouvez nous rejoindre aussi sur Facebook, les gars. Glitch Fun sur Facebook. On vous partage des glitches aussi. On vous met des photos. Voilà, je suis avec Kevin by Apple.
Donc si vous voulez le contacter, tout ça, demander des conseils, on a plus de facilité à vous répondre là-dessus. Ah, qui? Donc là, vous avez la cinématique, vous allez vous retrouver dans le sous-marin. Repérez bien le chemin qu'on va faire. Il est facile, les gars. Vous allez le faire 2-3 fois après. Les yeux fermés. Allez, c'est parti. Là, vous avez des gars, il faudra vous faire gaffe quand vous passez les portes. Il y en a qui vous courent dessus. Ils sont assez costauds. Essayez de tirer dans la tête. Ça vous fait des bonus. Là, il y en a encore deux au fond de cette pièce. Là, il y en a un qui va nous courir dessus. Ah non. Là, il y en a deux ici aussi. C'est les balles. Vous en avez un à gauche. Et là, il y en a un qui va vous courir dessus tout en face. La porte là. Donc, après, il nous faudra revenir ici, sur cette table, prendre une photo et mettre une clé USB pour prendre les données. Et il y a une longue cinématique. Donc, là, vous voyez, je le fais en marchant. Espère de cette méthode. Donc là, vous allez dans le vestiaire et après le vestiaire, vous allez avoir une cuisine. Vous allez faire gaffe là parce que là, il vise. Là, vous tuez celui-là et vous en avez un encore derrière à gauche sur la cuisine. N'importe qui peut y arriver, les gars. Vérifiez bien que vous avez tué les mecs. Ils sont vraiment solides. Allez, une fois que vous avez passé à la cuisine, on va redescendre. Vous allez là. Et là, vous voyez, il va y avoir la prison. Vous allez tuer celui au fond et vous allez viser le mec, ne le tuez pas. Vous le visez, il y a un point jaune qui apparaît. C'est bon, vous avez juste à retourner à la table. Allez, vous tuez lui. Et c'est bon. Donc là, vous voyez là, c'est fini, les gars. Trop facile, il y a 1 million pour votre pote en faisant ça. L'Avenger, c'est quand même un peu plus délicat. Il y a beaucoup d'hélicoptères, mais l'Avenger, il est costaud. Il suffit de pas trop l'abîmer. Mon collègue, il a presque pas fait toucher l'Avenger. Vous allez voir la barre de l'Avenger, il est quasiment neuf. Donc là, vous venez là, vous sortez le téléphone, une photo. Bim. Vous mettez de l'autre côté de la table et vous rentrez votre clé USB. Ça va se rentrer automatiquement. Et là, vous avez fini la mission, les gars. Une cinématique de 3 minutes là. Et en avant guingant les poteaux. Donc en tout cas, avec ça, vous allez être riche, hein. C'est sûr. Hein. Tous ceux qui n'ont pas l'Avenger, le complexe. Là, vous n'avez plus d'excuses. Hein. Trouvez un pote là qui a le braquage et vous le relancez en illimité. Dans la journée, vous faites facilement 10-20 millions. Alors, les petits levels, vous aurez tout. Et je suis bien content de vous présenter ça. Pour ceux qui leur manquent ou le camion ou l'Avenger pour faire les glitches, vous avez les glitches solo dispo. Voilà, vous allez pouvoir tout faire, les gars. Peu importe le level. Voilà, donc moi après j'ai juste à rejoindre mon pote. Donc je vais être en âge. Je vais le rejoindre à l'Avenger. Lui il va finir les hélicos. Il se pose pour moi.
me récupère. Et on va aller à l'aéroport. Allez, je vous retrouve avec la cinématique de Lester à l'aéroport pour vous montrer quand on quitte. Donc, suivez bien là, le conseil de la cinématique quand on quitte. A tout de suite, les gars. We'll be right back.
poteau, ça y est, on est arrivé, on va livrer à Lester. Donc celui qui a lancé, il va se préparer là. Il va appuyer sur PS, il va préparer, fermer l'application. Vérifiez bien cette cinématique. Dès que vous êtes devant Lester, boum, vous quittez. Direct, là, maintenant. Donc là, on quitte, on ferme l'application, on relance. Et moi, personnellement, je spam L1R1, là, maintenant. Vous spammez L1R1, comme ça, vous avez un recalibrage. Et vous êtes sûr et certain de ne pas perdre votre braquage. Voilà les poteaux, il n'est pas plus dur. Régalez-vous bien. Bon glitch. Ciao, ciao. À bientôt.